Yo les gens, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue la série, on ne s'arrête pas. Je vous avais présenté le village, la base SDV 5 Ross, et bien cette fois-ci c'est la base SDV 6 Ross. Donc cette base, pourquoi je vous la présente? Tout simplement parce que j'aime bien le concept, je vais vous expliquer le concept de cette base. Donc comme l'hôtel de niveau 5, les défenses étaient un peu centré tout autour de l'hôtel de ville, bah là c'est un peu pareil, sauf que le Sato clan touche vraiment l'hôtel de ville, donc c'est vraiment centré, ça c'est vraiment cool. La tour de sorcier aussi, et la défense antiaérienne aussi, moi j'adore quand, enfin j'adore, je trouve même ça primordial, c'est normal que j'adore, que la défense antiaérienne soit au centre du village, quand là il n'y en a qu'une, il faut que ça soit le plus centré possible. Après, quand on en a plusieurs, on peut s'amuser à les mettre un peu plus loin du village. Pareil pour le propulseur d'air qui est aussi proche de la défense antiaérienne. Bon, là, il n'y en a qu'un seul, donc c'est pas facile d'établir une bonne stratégie pour que ça englobe une bonne partie du village. Mais bon, globalement, ça protège bien niveau aérien. Les mortiers au nord et au sud, ça protège beaucoup également. Et bien sûr, le concept de ce village, c'est qu'en fait, vous voyez que tout autour, sous ces formes de blocs, de ces carrés, vous voyez qu'il y a un petit espace où il y a des pièces à ressort, des bombes. Et bien, dites-vous qu'en fait, c'est fait exprès. Parce que c'est un peu, à l'époque, on utilisait les attaques aux cochons. Et le but, c'était de faire en sorte que les cochons puissent tourner tout autour de la base. Et bien, en fait, le concept de ce village, c'est un peu la même chose si vous faites attaquer par des géants. Les géants, eux, vont se contenter de faire le tour de la base et ne vont pas viser l'hôtel de ville. Et du coup, ils vont prendre les dégâts, ils vont prendre les pièces à ressort, les petites bombes, la bombe géante, excusez-moi, plus les dégâts des défenses, tels que tour d'arcée, canon. Donc ça, c'est vraiment une stratégie que j'aime beaucoup des villages qu'on appelle villages, entre guillemets, anti-géants, qui consiste à ce que bah, ils fassent le tour du village car ils seront attirés par les défenses, en même temps ils se prennent les pièges. Après, l'avantage aussi de ce village par rapport à la base SDV5 où là j'avais pas pu protéger les réservoirs d'élixir, bah là j'ai pu les protéger, donc en même temps c'est un village mi-farm, mi-rush, on pourrait qualifier cela d'hybride, mais les ressources sont protégées, là entre autres la réserveur qui protégeait pas la tour de sorcier, généralement on associe hein, les ressources avec la tour de sorcier pour une bonne défense. Donc là, en plus de protéger l'hôtel de ville, ça protège globalement les ressources, donc c'est super. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à recopier ce village et à me soumettre dans les commentaires votre avis. C'est la fin de cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Sur ce, bye!